un grand merci à tous qui sont présents ici pour découvrir sa première conférence de presse et le nom limé de l'Alliance je vais faire moi-même et camarades. Depuis que vous êtes démissionné comme président de la République, nous continuerons tous dans la même politique. Nous sentis une grande attente, un grand espoir parmi la population. En fait, cet espoir-là, cette attente-là, c'est pour un changement dans les pays. Quand vous passez, du monde qui vous joigne, ou presque du monde unanime, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir continuer. Vous m'avez aidé, bien besoin d'un changement d'avenir. 1982, l'année 2000, et maintenant l'année 2012, vous considérez d'autres comme un man, comme dit l'anglais Lenma. Nous, man militants, nous sommes joints ensemble, et aujourd'hui, en 2012, man militants est dans une mission. Il sauve nos pays. Il sauve nos pays du précipice dans lequel le pays peut aller. Et il peut diriger par le Premier ministre aujourd'hui sans qu'il vraiment ait ce qu'on appelle caring government pour promouvoir l'intérêt pays et l'intérêt du peuple. Avant tout, malgré tout posé, je le posais. Bien souvent, nous posons la question. Si Nabi Namboulam était à la tête d'un gouvernement à partir de 1982, qu'est-ce qui pourrait arriver ça? Tout ça blablabla bla, bla, qui est posé là. Contre l'héritage qu'il a gagné en 2005 et tout ce qu'ils ont posé rempli de manifestés, de maudit moi, si pas nous pas du coup dans une situation où c'est l'ITI, il y a la tête d'un gouvernement à partir de l'année, ce qui va l'expert en l'étudier dire. Il n'est pas économiquement brillant. Il dit moun ou bien pauvre dans sa pays-là. Et qui seule solution, c'est l'immigration. Aujourd'hui, nous avons senti, nous avons trouvé qu'il y a moyen, encore une fois, la population de retourner vers la misère, vers la pauvreté. Je connais qu'aujourd'hui, nous n'est plus dans les années 90, mais pas aussi dans l'année 2000, dans les années 2000. Le monde il semblait. Je vais dire où t'allais là. Nous avons ma crise, nous avons ma problème. Mais bon, c'est pas exception. Bon, il souci est peut-être passé comme un gros problème. Et c'est là qu'un gouvernement, mais qui même à l'épreuve, est montré qu'il est digne de gouverner et qu'il peut trouver une solution à ce problème et qu'il n'a pas pété cette situation dégradée. Fallait qu'il nous fasse des sauts par une bonne action, par décision qu'il nous prend, par promesse qu'il nous implémente, nous créer sa confiance dans la population,
qui se dédain vraiment une manière d'avenir. Mais aujourd'hui, nos certains ne viennent pas comme ça. Il y a un désespoir extraordinaire dans la population. Une situation à quoi la population n'est plus croire ici de continuer comme ça, ou non, un meilleur d'avenir. En fait, aujourd'hui, nous avons aussi une crise de leadership. Et c'est un véritable programme de saucisson. Qui fait le mot dire ça? En 2010, je gagne l'élection, je présente un programme 2010-2015. Alors ça coulait à couper le bout de la saucisson là. Ça coulait dans le programme 2012-2015. Il est passé à Yéditou. Et comme dit Anirou, en fait, ta programme saucisson présenté lundi dernier là, ça soi-disant programme 2012-2015, c'est une série de répétitions et de promesses. Pendant des heures de temps, répétition, l'eau, répétition. C'est pourquoi là, il y a beaucoup de gens qui ont été sommés, beaucoup de gens qui ont été sommés, c'est du désarmé, du désentendu. Des heures de temps de répétition. Et par contre, ça a une des nouveautés qui n'a mené là. Qu'est-ce qui gagne un mandat avec l'électorat, ce qui passe par une élection avant d'introduire la nouveauté, pour prendre l'exemple. Il vient de dire vis-à-vis du président de la République élu au suffrage universel comme il est en France. Il n'a pas l'électorat, ça. Il y a un mandat, il demande ça. Non. 90% de répétition, 10% de nouveauté, que le pénal mandat pour introduire sa bonne nouveauté. En fait, 42 jours après 4 mois de vacances parlementaires. Parlement de un jour, nous donne le programme saucisson. Après, renvoyé au 8. Mais ça aime lui montrer où, qui c'est un gimmick. Et, on va dire, la boulane qui a gagné, qui réveille la conférence de presse, c'est là. C'est vrai, parce qu'il y a un flot magistral, sa programme présent, sa programme saucisson présenté lundi dernier. Je t'ai dans oreilles parler comme moi. Les tours Maurice, tous les jours vous ferment. L'IFIN a un flop magistral, un non-event éloquent. Et il y a la Gazette, pas moi, vous nous la Gazette mardi matin, à l'unanimité pour la Gazette. Quoi ça? Tout ça, prenez l'expression qui vient sur la prime devant le journaliste. Tout ça, tam-tam là, un flop pareil, un ridicule pareil.